Salut à vous les amis, petite game de KSA encore. On joue avec Azertien, Obot, Moops. Alors j'ai enlevé les noms des joueurs. Ah oui, je voulais expliquer la game que j'ai faite avant, mais en fait c'est un remake. En fait, au tout début je jouais avec les noms. Puis il y a un moment où je me suis dit, en fait les noms ça t'apporte rien. Tu vois. Et je pense que c'est mieux de jouer contre. Oh oui, c'est le Corvit. Il a pas trop l'air de vouloir jouer l'early lane. En soi, voir les noms, à part potentiellement avoir un. Oh, moi aussi je peux te trade là. C'est quoi le blame maintenant? Potentiellement, pardon, avoir un impact psychologique sur toi et des informations visuelles inutiles, ça ne sert à rien en fait. Donc j'ai essayé de les renlever. Et je sais pas si ça vous gêne, parce que vous demandez justement si ça vous gênait. Je pense que je vais les enlever quoi qu'il arrive, mais je peux toujours les laisser ou. Enfin les laisser. Les enlever entre guillemets, enfin les remettre juste en stream ou autre, mais j'aimerais bien avoir une habitude de jeu. Si vous en foutez, tant mieux. Ah hein. Oh, fuck, je vais aller voir. Non. Ah ouais, le Strux, là coup il est en bleu. Oui, il est en bleu. Ouais. D'accord, je vais finir flash. Hein. Merci mon bro. Full dive non? Faut proc son aftershock. Ok. On a besoin que d'un des deux je pense. Soit mon flash, quoique. Waouh, ouais, je pense ok. Peut-être il mourrait quand même si je l'avais juste heal. J'ai envie de ramener la wave ce tour fast. Je vais laisser ça. Tant pis, la freeze, hein, c'est la vie. Hein. Vas-y, c'est une game manamune là, vas-y tiens. Pourquoi? Parce que je back avec 1000 gold et que j'ai rien à acheter, donc je décide de faire manamune, voilà. Mais sinon, je préfère Stormriser, mais c'est aussi important de régulièrement jouer, quand par exemple il y a plusieurs trucs qui sont faits, et vous avez une préférence pour quelque chose, de régulièrement jouer l'autre truc, de manière à affirmer ou infirmer votre théorie. Non, j'ai plus. Non, c'est bien comme ça, je fais une game manamune, et après la game je serai là en mode, ah, soit je serai là en mode, ah oui ok, je sais pourquoi je joue pas manamune, je serai là en mode, peut-être qu'en fait je devrais jouer manamune. Là on est obligé de respecter, c'est quoi le jungle, c'est fidèle. Je pense pas qu'on va se faire dive en vrai. Je rate quand même, j'étais traumatisé moi de ce dive bot. Hein. Ah les creeps. Ah je farm mal, ça y est je suis énervé. Ok désénervons-nous. Ok je suis désénervé. Heureusement si j'avais été énervé je me serais pris ce hook. Donc on a 8 CS de retard du coup, ce qui n'a pas lieu d'être. Bon, avec ce Drake 2, j'aurais pas avoir de problème de mana sur Kessa. De toute façon, je go manamune donc. Après, effectivement, ça pourrait être aussi un choix en mode bah, quand j'ai un Drake 2, je go mur à mana. Parce que du coup, je régène plus ma mana donc je fais plus de dégâts. Parce que j'ai plus de mana. Quand j'ai pas Drake 2, je fais Stormriser. Je sais pas à quel point Stormriser est au-dessus de. C'est un peu du trolling ça. Au-dessus de manamune en termes d'EPS. Ok, ils ont l'air de vouloir dive. Cette précision. Avec cette petite menace en mid-lane, on passe devant en forme. Enfin, cette petite menace de la mid-lane, pardon. Il faut la plate ainsi qu'une wave. Ouf, tant mieux qu'il y ait de la play. Oh nice, quel boss. Oh non. Je fais trop de dégâts ou pas assez? Il va flash. Il peut plus flash du coup maintenant après le W. Un énorme nerf à Galios. Hein. Coup de tour Wars, hein. Je me colle pour avoir le stack du canon. Il y a Kata en mid lane toujours. Oh! Ce Q-spell? Un kill, ma foi, assez facile. Au travail. Est-ce que j'ai le droit de back là? Ou est-ce qu'à chaque fois que je veux recall, il faut qu'on tue UMF? On l'a pris la plate hein. Là comme j'expliquais justement quand tu fais manamune. Là je suis arrivé à une situation où j'ai ma pickaxe et ma manamune. En fait j'ai pas l'amélioration de mon Q. Parce qu'il me manque 8 d'AD. Bon j'ai pas pu stack ma tire du tout. Ce qui explique aussi en partie pourquoi est-ce qu'il me manque autant d'AD. Normalement il te manque quand même un petit peu. Pas autant mais il te manque un petit peu. Et le truc c'est pour ça c'est que t'as pas l'amélioration du Q si rapidement que ça en fait avec manamune. La différence c'est vraiment minime pour le coup. Ok, my bad. Ah, j'ai oublié Fiddlestick là.
Pour raconter ma petite vie au calme. On s'en shotgun à 150, ça va, c'est pas 300. Qu'est-ce qu'il fait, Lee Sin, là? Certes, Galio était en train d'arriver, mais justement, il était en train d'arriver. Comment on sait si on doit prendre Manamune ou pas? Tu fais jamais Manamune, donc comme ça, c'est simple pour toi. C'est la solution de facilité. Là, je suis en train de voir, justement. J'essaie de voir potentiellement des moments opti, mais moi, je suis là. Hein. Mais clairement, tu peux faire toutes tes games sans Manamune, c'est absolument pas problématique. Hein. Merci, tu vas trouver qu'elle meurt, elle. Évidemment qu'elle meurt. Faut qu'il paye un peu. Faut qu'il paye. C'est fou. J'ai toujours pas l'amélioration de mon Q. Hein. L'amélioration de mon Q, pardon. Je l'aurais eu avec Stormraiser. Bon, après, là, c'est assez particulier pour le coup. Ce qui est... Oh non, je voulais pas flash. Mais pas flash, je pensais qu'il allait crever. L'avantage par contre qu'il y a Manamune par rapport à l'autre stuff, c'est que t'as tes items plus vite. Je pense que quand tu build AP c'est pas dégueu, parce que du coup t'arrives sur ton... Enfin quand t'es full AD, peut-être le moment où la Manamune est le plus intéressant, parce que du coup tu perds moins de temps avant de passer en adaptatif en fait. Avant de vraiment switch en AP. Je pense avoir un peu attack speed, ce qui fait plaisir. Il y a 5 plates à prendre au top, on pourra en avoir 3 max je pense. Si on en a 3 ce sera déjà bien. Si on arrive à 3 c'est déjà bien, on sera assez... Je serai du moins assez satisfait. Puis là la passe en ult, il a l'ulti au Drake. On va en avoir 3, je suis satisfait. J'ai bientôt la million de mon Q. Ah, ce qui est dommage, c'est le Drake de feu compte pas non plus comme bonus pour les améliorations. Bah oui, on peut pour même en avoir 4, hein. Peut-être même 5. Hein. Après là, il a la stack les buffs, hein. Du coup, à 260 d'armure, je pense pas qu'on arrivera, là. On arrivera jamais à la tomber avant les 14 minutes. Bot, il se fait dive. Oh, c'est bon, il est bien. Oh, 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 oh. Il a eu absolument raison de le flash, ce hook. Ah, j'ai l'amélioration de mon Q, ok. Pas niveau 9. Je voulais juste level up. Mon Q-spell, mais j'avais une autre petite surprise. Oh oh. Allez, ouais. J'avais un heal. My bad. Ah, c'est du trolling ça. Bon, moi, mes deux morts, c'est du trolling, c'est bien. C'est bien, c'est mieux de troller ses morts plutôt que de faire des morts où tu peux rien faire parce que du coup, c'est frustrant, tu vois. Là, au moins, c'est ok, je sais que je pouvais empêcher ses morts. Je me sens mieux. J'ai ma Manamune, enfin ma Ginzu. Ma Manamune depuis un petit moment. Ok, je pense que Sin va crever. Ok, bon flash, bon flash. On a pas de kick sur Lee. Il a pas de flash lui, hein. Une auto, une auto. Oh. Quel chien! Non! Je me suis un peu trop. Je me suis un peu trop relâché là à prendre la waves. Dommage, le dev était clean. Il va survivre Lee Sin, nice. AD, AD, AP. Je vais go AP du coup. Hop là, on a l'invis. Tu gardais ton heal pour se mousfoguer. Ouais, c'est vrai que ça a beaucoup plus de value d'utiliser un heal pour prendre 2 kills plutôt que d'utiliser un heal juste pour survivre en vrai. Ouais, j'avais tout prévu, je suis juste un boss. Courons au Drake, je vais faire les. Ouais, j'ai direct. En fait, faut que je passe par la vidéo. Bon, du coup, je vais décaler par là, hein, tant pis. Il est en train de solo kill Miss Fortune. On a rien à foutre en fait. Ça marche aussi. Moi j'étais parti pour me faire le Drake mais. Vite, vite! GG. Ça marche aussi, moi j'étais en mode bah il fight, Fiddle et ulti. Moi je peux pas passer le mur donc autant go Drake. Du coup j'ai ralenti un peu les signes, je suis désolé, il m'a mis un petit ping parce que du coup le Drake l'a bump. Mais ça va. Mais mort, deux morts étaient étables, la troisième je pense j'aurais pu survivre aussi. Mais ça ok, la game était clean. Si on exclut ces deux petites morts trollesques, la game était assez clean. Et en soi la première mort que je fais c'était un manque de focus. Ah imagine, Thresh full HP, not moving level 1, undies 2v1, just imagine. Juste imagine le Thresh, t'imagines le Thresh, il est là, il move pas level 1 et il meurt en 2v1. C'est grave hein, quand même. Hein. Bon vas-y, j'espère que la vidéo vous a plu les amis, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à vous abonner. Des bisous à vous, portez-vous bien, à la prochaine et à tous.